Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spareka YouTube. Nous allons vous montrer aujourd'hui sur cette tondeuse à gazon à moteur Honda comment changer la bougie. Donc nous allons utiliser une clé à bougie pour démonter notre bougie ici. Donc je viens au pied de la tondeuse. Je vais enlever le filtre antiparasite pour dégager la bougie. Ici, je vais installer ma clé à bougie. Voilà, et je vais tourner sans forcer. Voilà. On a débloqué la bougie. Je peux l'enlever ici, tout simplement. Voilà, ma bougie, ici. Voilà, donc j'ai retiré ma bougie. Je vais ici la nettoyer un petit peu, pour être trop. Simplement, le café. Voilà, ma bougie. Et propre, j'ai vérifié l'écartement des électrodes, donc toujours la manière la plus simple, je regarde avec un ongle, là c'est bon, ça passe sans problème. Ok, donc là c'est bien, l'écartement est bien, il n'y a pas de problème, donc je vais pouvoir remonter ma bougie. Donc j'ai ma bougie, je vais la remettre dans ma clé à bougie ici pour qu'elle soit bien à sa place. Voilà, je vais pouvoir la remettre sur le moteur. Donc je vais la visser à la main, ça doit se visser tout seul. Au besoin, je remets un peu d'huile sur le pas de vis pour que ça visse correctement et sans forcer. Je vais visser au maximum à la main pour que la bougie arrive en contact, voilà, avec le cylindre. Et là, je vais simplement donner un petit tour de clé. Voilà, je retire. Je fais attention que mon caoutchouc de la clé à bougie est resté dessus, donc je le retire. Je remets dans ma clé. Caoutchouc qui sert à bien centrer la bougie quand je vais la mettre, et je le remets dans ma clé, pas l'oublier, voilà. Et je vais pouvoir remettre mon filtre antiparasite. Bien faire attention qu'il soit bien enfoncé. Voilà, la bougie est nettoyée ou remplacée. Voilà, nous avons fait l'entretien de notre tondeuse, nous allons voir si elle fonctionne. Elle démarre bien. Notre tondeuse démarre au quart de tour. Nous avons fait l'entretien. J'espère que nous vous avons bien aidé grâce à notre vidéo. Vous avez la possibilité à la fin de cette vidéo de vous abonner sur la chaîne Spareka YouTube. N'hésitez pas à le faire, ça vous donnera la possibilité d'avoir des alertes qui vous informeront de toutes les vidéos qui sont publiées sur la chaîne Spareka YouTube. Nous publions une vidéo par jour. Une vidéo d'électroménager, de jardin, une vidéo sur les piscines. Donc abonnez-vous et rejoignez-nous sur la chaîne Spareka YouTube. A bientôt.